Donc le territoire nous rend plus forts parce qu'en fait il y a un maillage d'acteurs qui se mobilise autour de nous, autour de nouvelles pratiques, qui s'engagent par exemple dans le recyclage du marc de café, ils s'engagent à collecter, à rassembler le marc pour nous faciliter sa transformation en kit à champignons, en kit de pleurotes à cultiver à domicile. Ça c'est une des manières de faire. On voit aussi des brasseurs qui nous permettent de récupérer les dréches de brasserie pour fabriquer du substrat à champignons ici localement et qui voudraient récupérer les champignons et les vendre et les cuisiner pour leurs clients. Donc c'est vraiment une mobilisation d'acteurs où ils n'ont pas vraiment de pécunier à gagner derrière, mais c'est vraiment comment on peut tous mieux faire ensemble. Donc ça c'est important. Puis on a développé des nouveaux produits à base de cœur de champignons qui sont nos bolognaises végétariennes bio sans gluten, sans soja et aussi des tartinables apéritifs. Et en fait en allant, c'est pas pour tous. Mais il y en a certains qui proposent de diminuer leur marge, chose extraordinaire quand même, et de mettre le produit en avant. Donc ces acteurs dans le territoire veulent vraiment soutenir l'économie locale et vraiment qu'on crée de l'emploi. Et puis on est très entouré aussi avec différents réseaux, dont le réseau Entreprendre Nord et le réseau Alliance. À chaque fois, on a des coups de boost en tant qu'entrepreneur parce que c'est du boulot, une boîte. Et on est reboosté sur le côté entrepreneurial et sur le réseau Alliance, on côtoie plein de personnes qui sont dans des pratiques RSE et durables, ce qui nous conforte tous les jours dans les actions qu'on met en place pour notre projet de développement durable. En fait, l'entreprise, c'est de A à Z un projet de développement durable.